Tous ces chagrins et tout ce blues, nos histoires noires, nos nuits blanches, plantées en plein manque de tout. Ça, c'est une affaire de purement show business. C'est show business, ouais. Là, on veut gagner un max de pognon, voilà. Tous les deux. On a tous les deux, lui rêve d'une Aston Martin et moi d'une Maserati. Voilà, donc, et on s'est trouvés ensemble pour le faire, en exactement, fait. Exactement, ouais, 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 ouais. Mais nous, on n'a aucun sentiment. Non, il n'y a rien entre nous. Hein. Toute notre vie, ça a été basé là-dessus, de toute manière. De toute façon, on se déteste. Chaque fois qu'il va dans les festivals, je les évite. Exactement, il ne faut pas déconner. Là, on essaie de paraître. On va pas du tout dans les mêmes villes ensemble. Ouais, ouais, ouais. Non, donc il faut être réglo aussi, quoi. Exactement, il faut surtout être honnête. Honnête, je pense, voilà, donc, honnête. Il faut être honnête, voilà. Faut leur dire. Voilà. Ce projet est parti bille en tête, comme quand on est môme et puis qu'on a pas beaucoup de temps, pas forcément beaucoup de moyens, et qu'on se dit, allez, on fait un disque vite fait, on rentre en studio, on l'écrit vite, on le joue assez rapido. Enroulé dans mon corps en cette nuit d'été. Puis je sais que moi c'est plus facile, par exemple, de balancer des textes et puis de demander aux autres de les mettre en musique, parce que là il fallait quand même que je me mette dedans. Aussi cette image. Là, faut que tu fasses tout simple. Voilà. Parce que moi, je veux te rejoindre sur Baby. Ouais, voilà. Aussi sexy, ma baby. C'est vraiment un truc qui est parti comme ça. Pas mal de fois, quand on se voyait, Hubert me parlait de ça, il disait, tiens, j'aime vachement le blues, un jour il faudrait qu'on se fasse un truc tous les deux, mais on verra plus tard quand on aura le temps, quand nos plannings seront un peu plus free. L'occasion s'est présenté et on l'a fait maintenant, mais ça aurait pu être dans 5 ans, dans 10 ans, on sait pas trop quoi. Les musicos, moi j'avais jamais vraiment joué avec et tout ça, on s'est retrouvés tous en studio, donc ça a été enregistré dans des conditions complètement live, donc c'est ça le principe un peu du système... un peu à l'ancienne, comme les gens faisaient dans les années 70, enfin, et comme nous, on a déjà fait par le passé. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à toujours faire mes disques un peu comme ça, c'est-à-dire, c'est pas du gamberger, c'est du jeter, quoi. Ça sonne spontanément et humainement, quoi. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est un peu l'idée, quoi, de ne pas se prendre le chou. Avec Hubert, on cherchait vraiment un couple basse-batterie, quoi. Enfin, tu vois, pas forcément paxé ou tout ça, mais disons qu'on cherchait vraiment deux mecs qui fonctionnent, qui ont l'habitude de fonctionner ensemble et qui est un grand classique, ça. Arnaud faisait partie de mon groupe, était sur ma dernière tournée. C'est Arnaud, je crois, qui nous a dit, moi j'ai déjà joué avec NK et vraiment ça fonctionne, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ouais. Et donc NK, qui est suédois, a débarqué dans le groupe. Pour l'anecdote, tous les matins, je me pointais, je demandais si ceux qui voulaient les textes. Et donc tout le monde voulait les textes. Lui, comme il ne parlait pas du tout français, ça n'intéressait pas vraiment les textes. Donc je distribuais les textes à tout le monde. Et puis lui, il avait droit à la place du texte, il avait droit à une photo érotique. C'est que toi, t'avais bien craqué sur Distance et, ouais, et Hubert me disait... C'était moi, pas j'aime... un duo, quoi. Non, mais ça, il y avait des morceaux qui pouvaient pas être des duos. Donc on s'est partagé carrément, là, Paul a pris certains morceaux et moi j'en ai pris d'autres.
Donc c'est vrai qu'il y avait des trucs qui pouvaient faire minuche, tu sais, quand dans certaines chansons, t'en as un qui chante un couplet, l'autre qui chante l'autre, et des moments ça le fait pas. Alors que toi, dans le boys band quinquagénaire. Voilà. Toi, alors après, toi, c'est. Bon, torse nu, on est pas mal encore, mais faut pas déconner, toi. Enfin, moi j'ai. Bien huilé, remarque. Ouais, ouais, au fond de ma propre rue, je sais plus, je me perds. Vraiment, je sais plus, un fantôme est en moi. J'ai perdu la vue, j'ai dû cramer ma voix. Je ne vois plus rien, j'ai perdu mon passé. Je suis comme un chien aboyant sur le pavé. J'entends un peu le Romano Douda. Ça m'intéressait vraiment d'avoir des mots d'Hubert, mais il fallait que lui soit à l'aise. Moi, je savais pas, j'avais jamais fait ce genre de vraiment d'exercice, de mettre texte sur des musiques. Et là, il fallait quand même que je me mette dedans. Et le délai, j'avais donné un mois. J'avais dit à Paul, voilà, fin juin, je te dis si on peut le faire ou pas pour l'automne. C'est-à-dire, la date limite, c'était fin juin. Et en fait, parce que je savais pas s'il me fallait une semaine ou une heure ou un jour pour faire un texte. Puis en fait, j'ai mis quoi, une semaine, 10 jours pour faire une. Ah ouais, j'ai mis 10 jours. Hyper vite, quoi. Prends des bains d'eau, Javert. Ah, c'est génial. Hubert, tu l'as toujours dit, quoi, la chanson vraiment thématique et charnière du truc, c'est Avenue de l'amour, quoi, parce que c'est vraiment les deux mecs, toi, qui on the road, toi, qui se balade et qui. Il y en a un qui dit est-ce que tu te souviens, tu vois, on n'était pas des stars, blablabla, puis tout le reste du texte, puis l'autre qui lui répond, enfin c'est. Tu vois vraiment les deux mecs en vadrouille, tu vois. Je pense que ça c'est vraiment l'idée un peu road movie. Avenue de l'amour. Après c'est Paul, je laisse finir là. J'ai pas bossé du tout ça. J'ai dit c'est Paul, j'ai pas travaillé. C'est le seul passage que j'ai pas bossé de. J'ai tout fait en double, sauf ça. J'ai dit oh putain merde. J'ai dû prendre des notes là-dessus, il me semble. Est-ce que tu te souviens? On n'était pas des stars. Plutôt un peu zonard, juste au bord du rien, nos peines au bord du jour, nos regards de chien. C'est tout, c'est tout, et de l'amour. Compter une bouteille de chante par chanson. Tout de même, c'est ce qui a coûté le plus cher. C'est ce qui a coûté le plus cher. C'est, ouais, parce que les musiciens, bon, toi, bon, tout ça, les studios, c'est pas très cher, quoi. Puis il y a des chansons quand même, parce que je voulais bien soigner, qui a demandé plus quand même. Il fallait une cage pour deux chansons, celles qui sont plus longues, tu sais. Bah c'est normal, toutes les balades, puis toi, il y a des premiers jets, puis après il y a le travail, quoi. Et donc c'est le travail. C'est là où il faut se méfier du premier jet, pas renverser, quoi. Ah bah ça c'est toujours le problème, ça, toi, c'est là-dessus que j'avais tendance à te checker. C'était un challenge quand même, c'était arriver à faire un album en partant presque de rien, en un minimum de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de regrets à se dire, ouais, si on avait mis 3 points de suspension plus un point d'exclamation à tel endroit, ça aurait été mieux. Si on avait fait ça, ça aurait été plus propre. Je crois qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il faut se dire comment on voulait le faire et on voulait le faire quand même comme ça. Côté quartier d'art, et tout c'est tout, avenue de l'amour. Et tout c'est tout.
Judas.